ce que je voudrais entendre ce soir, c'est, je pense, c'est à peu près une première mondiale. Ça n'a jamais été fait ailleurs, et peut-être ça ne se refera jamais exactement sous cette forme. Il y aura des invités, il y aura des choses très étonnantes. Vous allez voir, Dan vous expliquera tout. Voilà, j'en ai trop dit. Je vous laisse avec Dan Tepper. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment très très content d'être ici. Ce soir, c'est comme le disait Pascal Rosa, c'est vraiment une occasion assez unique ce soir, parce que je vais présenter et essayer d'amener ensemble, sous un même thème, plusieurs des choses qui vraiment me tiennent à cœur en musique. Et en fait, j'ai ouvert le concert ce soir avec la variation 3 des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Et la raison pour ce choix, c'est que la variation 3, dans les variations Goldberg, donc qui sont cette grande œuvre qui a été écrite en 1741, Bach fait un canon à l'unisson. Et un canon à l'unisson, ça veut dire que chaque fois qu'une mélodie est jouée dans la première voix, elle est répétée exactement pareil, une mesure plus tard, dans la deuxième voix. Vous avez peut-être entendu ça dans le premier morceau que j'ai joué. Il y avait tout ce que je jouais en fait à la main droite était ensuite répété de la même manière dans la main droite. Alors, ça pour moi, c'est un exemple de l'utilisation d'une règle stricte pour créer de la musique. Et quand on parle de règle stricte,
On parle aussi d'algorithme. L'idée d'un algorithme, c'est justement un procédé qui suit des règles strictes, qui prend un certain point de départ et le transforme en autre chose. Alors Bach utilisait ces règles strictes, il utilisait en plus des règles du canon par exemple, il utilisait les règles du contrepoint baroque. Et moi, j'ai suivi la variation de Bach avec une improvisation qui utilise justement cette même règle stricte. C'est-à-dire que tout ce que je jouais à ma main droite, je l'ai répété de la même manière après. Vous avez remarqué ? Cette idée des règles strictes et des algorithmes, c'est justement ce qui m'a intéressé à la question de l'utilisation d'algorithmes informatiques dans la création de musique. Et je me suis intéressé à ce piano qui en fait est un disque-clavier de Yamaha qui peut jouer tout seul. Et quand je joue des notes sur ce piano, elles sont envoyées à mon ordinateur et l'ordinateur ensuite, avec justement des algorithmes que j'ai programmés, répond à cette musique et renvoie de l'information qui sera jouée par le piano. On va voir si ça marche. Ça marche. Alors, est-ce que vous avez vu, quand j'ai joué une note, elle a été répétée une octave plus bas. Vous avez vu ? Alors ça, pour moi, ça devient justement une règle stricte, que je vais ensuite suivre. Enfin, c'est plutôt l'ordinateur qui va la suivre pour moi. Et je vais essayer de faire de la musique avec. Alors là, ce que je vais vous jouer, en fait, c'est un canon à l'octave, c'est-à-dire que tout ce que je joue sera répété une octave plus bas par le piano. Et je vais vous jouer un vieux standard utilisant cet algorithme, All the Things You Are de Jérôme Kern. Merci. Thank you.
maintenant une idée similaire, mais tout à fait différente. C'est une règle qui, au lieu de répéter les choses exactement, une octave plus bas, font une sorte de miroir de la musique, ce qu'on appelle en musique une inversion. Il y a un axe au milieu du piano, tout ce qui se passe en bas se répète en haut, tout ce qui se passe en haut se répète en bas. Et avec ça, je vais essayer de faire de la musique. Thank you.
qu'en fait, quand j'écris ces algorithmes, pour moi, c'est un peu comme de la composition, sauf que j'écris pas les notes, j'écris le procédé. Donc c'est, au lieu d'écrire ce que je vais faire, j'écris la manière par laquelle la musique va fonctionner. Et ce dernier, en fait, c'est tout simplement que tout ce que je joue, ça se répète à un intervalle très dissonant, la 9e mineure en dessous, et ensuite encore une 9e mineure en dessous, et encore une 9e mineure en dessous. Et tout d'un coup, rien que d'avoir cette règle très simple, un peu comme justement la règle de Bach qui dit que dans un canon à l'unisson, chaque phrase est répétée, rien qu'en ayant cette règle très simple, on arrive à une musique vraiment déjantée et différente, quoi. Donc, pour présenter encore un autre côté, une autre des possibilités de cette approche, je vais faire appel à une très bonne amie et une grande chanteuse et quelqu'un avec qui je jouais beaucoup quand j'avais 20 ans, justement autour de la période où j'avais joué ici en solo en 2007, avec qui je n'ai pas joué depuis longtemps, la grande chanteuse Claudia Solal. Thank you.
and leave. Claudia Solal. Claudia Solal. Claudia Solal. Mon deuxième invité spécial ce soir est un de mes héros de longue date, un de mes héros musicaux, quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de jouer maintenant depuis 15 ans ou quelque chose comme ça. J'ai pensé à un algorithme totalement différent pour lui. Vous allez voir. Aidez-moi, s'il vous plaît, à accueillir le grand François Moutin.
François Moutin. Mon troisième invité surprise ce soir est un de mes nouveaux musiciens les préférés. C'est un grand batteur qui tourne depuis quelques années avec des super groupes comme Tigrane et Eric Truffat. Je vous prie d'accueillir Arthur Natek.
Arthur Hnatek. Arthur Hnatek. To visit all the very gay places, those come on May places, where one relaxes on the axis of the wheel of life, to get the feel of life from jazz and cocktails. Girls I knew had sad and sullen gray faces with distant gay traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. Then you along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Oh, yes, I was wrong. Again, I was wrong. Life is lonely again, and only last year everything seemed so sure. Now is awful again. A truffle of hearts could only be a bore. A week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is marsh, stifling those who strive. I live a large life in some small dive. The rest of those whose lives are lonely too. Thank you.
forget you I will, while yet you are still burning inside my. Live a lush life in some small dive, and there I'll be while I'll rot with the rest of those whose lives are low. On est repassé dans le domaine de la musique sans informatique. Et pour moi, c'est un peu la même chose, en fait. Dans les deux cas, on joue avec des idées. Là, c'était peut-être une certaine idée émotionnelle qui s'attache à ce très beau thème de Billy Strayhorn qui s'appelle « Lush Life ». Et on va continuer avec une autre chanson d'amour. Celle-ci par Beyoncé s'appelle Single Ladies.
Merci infiniment. Merci. Merci. C'était une nouvelle ballade que j'ai écrite récemment, qui est toute neuve, qui n'a pas encore de titre. Celle d'avant, c'était une composition aussi un peu plus vieille qui s'appelle 547. Et on va finir ce mini-set en trio avec une dernière composition de moi. Celle-ci s'appelle Roadrunner. Merci infiniment.
Merci infiniment. On arrive au dernier morceau de la soirée. Ça a été un immense plaisir de jouer pour vous, vraiment. Je voudrais remercier encore une fois François Moutin à la contrebasse, Arthur Natek à la batterie et la grande Claudia Solal. J'aimerais terminer ce concert en vous parlant un tout petit peu de Fractal. Pour ceux qui ne connaissent pas les fractales, ce sont des objets mathématiques qui sont très très beaux. Et la raison pour laquelle ils sont beaux, c'est que en fait, le monde autour de nous, la nature, même nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'êtres de chair et d'os, on est fait de fractales. Et quand ces objets ont été découverts en fait, dans les années 60, ça a été la grande surprise parce que ces objets ont toujours existé, évidemment. L'idée des fractales n'est pas neuve, mais jusqu'à ce qu'on ait des ordinateurs, on ne pouvait pas les voir, à moins de faire des années de calcul. Et ça, les gens ne les avaient pas fait. Et ça, ce qui est bien avec les ordinateurs, ils calculent très vite. Il y a une fractale en particulier que j'aime, et c'est une fractale d'arbre. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à un arbre. Et j'ai écrit un programme qui génère cette fractale et qui transforme chaque branchement de cet arbre en note. Et le disque clavier ici de Yamaha va jouer l'arbre que vous allez voir sur l'écran, et nous, on va improviser avec. Merci infiniment.
C'est toujours à ce moment-là. Say,
Thank you.